Et on mange des frites. Et bien sûr, on est avec le pack onigiri. Je crois que c'est la première vidéo que je vous fais avec le pack onigiri. Si je me trompe, je suis désolé. Le pack onigiri, donc c'est juste quelques petites choses qui ont été changées. Ça, c'est le Skyarm, notamment. Voilà. Donc, on se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode de Terra Cube. Aujourd'hui, dans Terra Cube, nous allons construire la Syrie. Je vais pas vous en montrer plus parce que voilà. Est déjà construite. mais voilà, je suis devant la porte. Puis, ben, on va commencer donc, bien sûr, avec un beau et long time-lapse. Et après, un petit travelling. Et après, je vous retrouverai. We'll be right back.
J'espère donc que cela vous a plu. Voilà. Je vais tout simplement donc me retransformer en quelque chose de volable ou de volatile. Non, volatile, je sais pas. Et vous montrer tout simplement donc voilà à quoi ça ressemble. Déjà, extérieurement, c'est juste aménagé extérieurement. Pour le moment, donc relief nether brick comme fenêtre. Ici, donc, nous avons les tas de bois qui attendent à se faire plancher, si ça se peut se dire. Donc là, nous avons une scie. De même, ici, puis ici. Donc voilà, ça c'est plutôt l'espace de la mécanique. Quand nous rentrons, bien sûr, donc on a un petit peu de lumière. Je vais peut-être mettre de la glowstone, je verrai. Donc déjà ici, ça sera un petit bureau, par exemple pour des commandes ou voilà. Et puis ici, c'est tout ce qui est, on va dire, entreposage. Dont ici, mais ça, bien sûr, on verra ça dans un autre épisode. J'ai mon petit chemin, oui. Ben bien sûr, mon petit chemin secret. Vers une salle ultra secrète. Voilà. Ultra secrète, ben oui. bon, je vous ai montré, je vous l'ai montré dans une de mes vidéos, mais une salle qui aura un certain principe. Qui sera caché dans ce bâtiment. Ben, l'entrée, en tout cas, sera cachée dans ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait prochain épisode? Donc, prochain épisode. Donc, la semaine dernière, normalement, vous avez eu l'épisode de la petite fête d'anniversaire sur TerraCube avec les copains. Où, notamment, nous avons joué au dé à coudre. Qui mine les blocs le plus rapidement là-bas. Et puis, quelques petites choses musicales qui a été, bien sûr, suivie donc, d'une petite réception à la salle communautaire de... la salle de fête de Panda Town. Et... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait taper? Oui, d'accord, il y a un squelette. Donc ça, bien sûr. Et aussi, par la suite... c'est ça, donc normalement là vous avez 7 épisodes, c'est l'épisode que vous regardez. Et la semaine prochaine on va faire quoi? Donc j'avais deux choix. Un autre timelapse. Ou une vidéo avec un des derniers membres de TerraCube qui est arrivé sur le serveur, qui est Danny. Parce que Danny, vous allez le voir de plus en plus dans mes vidéos. Voilà, comme je vous ai déjà peut-être expliqué, je vous ai peut-être déjà cité son nom. Il joue bien sûr sur le petit serveur privé en 1.9 de Fred Dissident World, donc vous le retrouverez là aussi. Mais on va faire une petite activité la semaine prochaine avec lui, donc voilà, si vous voulez savoir un peu plus c'est qui et tout, il est vraiment marrant, il est vraiment sympa. Soyez là la semaine prochaine, donc je vais vous laisser ici, puis je vais vous dire à la semaine prochaine, bye bye.